serviteurs de Savathun nous combattent pour nous refuser l'accès au message des ténèbres. Utilisez la graine pour dissiper leur infecte influence.
corrompu et sauve. Libération de la servitude.
C'est intéressant. Cette formulation s'adresse à quelqu'un d'égal. Le message est cadeau. Une chose offerte par une main tendue. Magnifique. Commandant, que nous vaut le plaisir? J'ai lu vos rapports. Les messages des ténèbres sont... enjoués? J'allais dire obtus. Venez voir le dernier. De quoi s'agit-il? D'un cadeau. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Je ne me souviens pas d'un quelconque accord. Vous jouez un jeu dangereux. Heureusement que vous êtes une femme dangereuse. Les messages décryptés sont d'une valeur inestimable. Nous savons ce que pense notre ennemi. Dites-moi, et si l'objectif des pyramides était d'exploiter notre curiosité? Nous retournerons leur cadeau contre elle. Et s'il s'avère trop encombrant? Alors il sera remis à l'avant-garde pour être confiné. Et qu'en est-il de la ruche? Savathun ne nous affrontera pas directement. Ce n'est pas son genre. Elle se croit bien trop supérieure. Et méprise trop les autres. Merci. J'attends votre rapport avec impatience. Ceux du vagabond sont... incomplets. Ce mot désigne le moment avant un changement. Le passage. Le seuil. Mais c'est une répétition d'une chose qui s'est déjà produite. Une erreur dont on ne peut rien apprendre. La chute, peut-être. Voilà qui est troublant. Cette construction est comme du blanc, pas la couleur, mais l'absence de couleur. Un vide confus. La similitude d'une chose morte depuis longtemps. Le blanc de l'os décoloré, celui du voyageur. Voilà un message simple. Coquille d'œuf. Le terme traduit la fugacité et la fragilité attendues. Les ténèbres voient le voyageur comme une chose qui nous isole du monde extérieur. C'est une barrière que nous devons dépasser et franchir.